Vanessa. Bonjour Vincent. Alors aujourd'hui, on est quel jour ? On est le dimanche 18 octobre. Comme je dis à chaque interview, je leur demande juste avant au cas où pour pas qu'on se plante. Alors aujourd'hui, donc on fait ton interview. Oui. Alors ça va être, je crois que c'est la 64e, enfin vers les alentours 64. Interview, on est pendant le 3e Tour de France. Oui. On est à 6e étape. Alors Vanessa le sait bien puisqu'elle me suit, oui, et qu'elle voit, je dirais, et elle a d'ailleurs fait une carte de France avec tous les petits visages et personnes que je suis allé voir. Il y en a pas mal. Ouais, il y en a pas mal. On doit être à au moins 18-20 visages. Sachant que là j'ai été prise ce week-end, donc on n'a pas rajouté les derniers, mais ça va être mis dès demain avec un petit live également sur la page Elite. Oui, tout à fait. Elle fait aussi des lives sur la page Elite Multibanque Arrivation pour justement parler du Tour de France, comment je mets tout ça en place. Et c'est top parce que apparemment, il y a des endroits où il n'y a plus de place. C'est un peu difficile de mettre tes visages parce qu'en les faisant plus petits, on ne les verrait pas. Et le but, c'est de faire voir à tout le monde que tu es parti voir un maximum de personnes autour de toi. Ouais. Ça, c'est top. Et alors justement, ce Tour de France, pourquoi ce Tour de France ? Ben, tout simplement pour montrer que finalement, tout le monde peut faire de la Multibanque Arrivation. J'ai fait des interviews de personnes qui ont 74 ans. D'autres, ils ont une vingtaine d'années. En fait, l'idée, c'est simplement de montrer que c'est accessible à tout le monde et que ça fonctionne d'ailleurs depuis des années, puisque j'ai des interviews qui datent avec des personnes qui m'ont connu avant même que je démarre un petit mancartion, donc 5 ans, 6 ans en avant. Et il y a des personnes qui viennent d'arriver il n'y a même pas quelques mois, quelques semaines et qui me découvrent. Donc, simplement de dire, c'est accessible tout âge et c'est quelque chose, je dirais, sur la durée qui a aussi une pérennité, donc une stabilité, et donc c'est pour rassurer toutes les personnes, pour vous dire bah, bouge-toi les fesses si t'as pas encore ouvert tes comptes, parce que franchement voilà, aujourd'hui il y a encore pas mal de sous-sous à prendre pour faire ses désirs, ses projets, ses rêves, et c'est ça qui est intéressant. Bon, maintenant la star aujourd'hui c'est toi, donc je vais me taire et aujourd'hui je vais te demander de justement te présenter, simplement de dire ton âge et dans la vie de tous les jours ce que tu fais. Alors je suis Vanessa. Je suis dans les Hauts-de-France, à côté de Cambrai, là où on fait les bonbons, les bêtises. J'ai 43 ans, j'ai deux enfants, je vis en couple depuis plus de 20 ans maintenant. Et depuis à peu près 2-3 ans, je suis en invalidité suite à des problèmes de santé. Voilà. Alors ça c'est très important parce que Vanessa au début elle le disait pas trop et moi je disais mais si justement dis-le parce qu'il y a plein de personnes qui sont aussi en invalidité et qui ont besoin je dirais d'un coup de pouce, qui ont besoin de trouver comment faire un complément de revenu parce que c'est pas toujours évident justement de se dire si je suis en invalidité qu'est-ce que je peux faire, et donc c'est un moyen je dirais d'aider les personnes qui ont un problème d'invalidité. Ça peut arriver à tout le monde et globalement demain ça peut t'arriver aussi, et tu serais bien content de savoir comment tu peux t'en sortir et surtout aussi de se dire je m'en sort et que finalement je sais pas comment faire. Par exemple c'était Elodie aussi, elle a ses 4 enfants, elle est mère au foyer et c'est pas évident, et elle voulait aussi rapporter de l'argent à la maison pour justement, mais c'est une question de fierté aussi, de se dire moi aussi je participe, je dirais financièrement, même si elle participe déjà énormément je dirais au niveau de la maison. Et toi aussi ? Oui. Je tiens à le dire. Et donc voilà, c'est l'idée. Allez, on va démarrer. Donc maintenant, dans la deuxième interview, on en a parlé. Maintenant, je voudrais que tu dises un petit peu, on va parler un petit peu aussi de l'équipe. C'est-à-dire ce que les personnes, finalement, c'est quelque chose qu'on parle très peu dans les interviews. Oui, c'est vrai. Et parce qu'on n'a pas le temps, en fait, de tout développer. Bah, mais là, je pense que c'est le moment idéal parce que justement, on est dans cet endroit-là que vous voyez juste derrière. Donc ici, c'est une demeure où il y a eu le maréchal Foch avec ses officiers pendant la Première Guerre mondiale, et aujourd'hui en fait on s'est rassemblés ici grâce à ton initiative, je le répète parce qu'on vient de faire un live juste avant, mais toi le live c'était un mois avant, où justement on s'est rassemblés pour rassembler un maximum d'élèves qui font partie je dirais donc du nord de la France et donc du coup à ton initiative que tu en voulais, tu disais il y a un goût de reviens-y, voilà, j'aimerais bien un goût de trop peu, j'ai dit un goût de trop peu, parce que quand on rencontre on a la possibilité exceptionnellement, parce qu'il faut quand même rappeler une chose, c'est que tu vis pas en France en fait, tu vis en Pologne, à Cracow si je me trompe pas. Donc c'est vrai que quand tu traverses la France et que tu proposes à tous ceux que avec qui tu travailles, que ce soit en coaching avec ton e-book, parce qu'il y a un e-book pour le parrainage pour les nuls, enfin bref, il y a une montagne de travail, parce que ça c'est pareil, c'est pas quelque chose qu'on met forcément en avant, mais quand on est coach, il faut savoir que il y a énormément de travail en amont pour pouvoir apporter le meilleur à son prochain, à tous ceux qui veulent
veulent savoir ce que c'est que la multibancarisation, qui puissent aussi l'optimiser un maximum, parce qu'on n'est pas obligé non plus de voir des grosses sommes, mais en même temps, on n'est pas obligé non plus de rester au ras des pâquerettes. Donc, celui qui voit grand, bah, la multibancarisation, franchement, c'est fait pour lui. Pourquoi ? Parce que... On regarde pas la classe socio-professionnelle dans laquelle nous sommes. On regarde pas si réellement, à la fin du mois, on peut boucler les factures. On regarde pas non plus si on est marié, si on... Enfin voilà, il y a plein de facteurs qui, quand vous postulez chez un employeur, lui va le prendre en considération. La multibancarisation, en fait, c'est pas ça du tout. La multibancarisation, c'est celui qui veut apporter un confort quotidien financier par mois. C'est abordable et c'est faisable pour lui, pour elle, pour tout celui qui aura envie de se jeter dans cette aventure, enfin se jeter, non, se lancer dans cette aventure parce que... Parle de l'aventure parce que là tu t'es évadé, je te connais. Hein. Ouais, je t'ai évadé. L'aventure, c'est de faire partie d'un groupe formé par Vincent, comme je le disais, et puis d'échanger une relation humaine, de l'entraide pour les petits coups de pouce en disant « Ah bah tiens, j'ai pas la réponse là, et puis j'ai une filleule qui voudrait, donc hop, nous les anciens ou les tout nouveaux ont besoin d'un coup de pouce pour y arriver, donc on peut finaliser justement ce petit coup de pouce, et puis c'est ça qui est intéressant en fait. » Alors je vais essayer de restructurer un petit peu, parce que Vanessa aussi est par à droite, à gauche, c'est normal aussi. Hein. Alors justement, alors déjà, je voudrais que tu dises aussi aux personnes, comme tu dis, c'est pas évident effectivement de m'attraper. Il faut savoir que pour les personnes, Vanessa me connaît, ça fait déjà un bon bout de temps, et d'ailleurs l'année dernière, j'ai failli passer te voir, et finalement, j'ai décidé de rentrer à Cracow pour des raisons personnelles, mais effectivement, je devais déjà passer te voir. Donc cette année, elle se disait, non, là, tu me rates pas. En fait, je t'ai vu deux fois cette année, une fois à la maison le 11 octobre, donc voilà, et puis une fois ici, parce qu'on s'est réunis avec tes élèves, et puis que, moi j'ai eu un petit goût de trop peu. Alors déjà que je l'avais pas vu l'année dernière, mais bon, je l'ai vu que 2 heures dimanche 11, et puis je me suis dit, ah ouais, non, c'est pas assez en fait. Donc c'est pas une question de profit, c'est une question d'échange, c'est une question de pouvoir partager des choses, et puis les zooms c'est bien, mais quand on voit les gens en chair et en os, c'est vachement mieux aussi. Voilà, et ça vous apporte aussi du concret et du réel. Vous voyez bien que Vincent existe et que nous on fait bien partie d'un groupe, et que la multibancarisation, en fait c'est top au final. Alors j'aimerais aussi dire que t'es venu avec ta petite famille aussi, ton chéri, tes enfants, et justement, est-ce que justement ça va au-delà, parce que du coup tu crées des liens, et puis c'est ça aussi qu'on veut dire. En fait, il y a aussi une histoire de famille, d'entraide derrière qui se crée avec des personnes. En plus, ce qui est super dans cet événement qu'on a créé, qui s'est fait quand même à la va-vite, il faut le dire. Eh bien, il y a une organisation qui a été, assez complète et assez efficace, parce qu'on n'avait pas trop le choix, et donc c'est du coup chacun est venu apporter sa patte à l'édifice. Ouais. On va revenir, je voudrais revenir sur cette équipe pour les personnes qui se disent, demain, oui, j'ai envie de vous rejoindre et effectivement de faire des choses avec vous. Et alors, dans l'équipe, est-ce que toi qui connais bien, alors tu as bien connu l'évolution de tout ça, on va pas en parler parce que sinon on va pas s'en sortir. Pour des heures, là, ça va mais pas faire. Au niveau effectivement de notre communauté, qu'est-ce qu'on y trouve? Alors, moi je vais dire la structure, et toi tu vas dire un petit peu ce qu'il y a à l'intérieur. D'accord. Alors, la première des choses, on y trouve on a un groupe Facebook qui est uniquement pour les élèves. Alors attention, c'est un supplément parce que tout le monde n'est pas obligé de le prendre, parce qu'il y a des personnes qui veulent effectivement faire la chose de leur côté et ça les regarde, il faut les respecter. Et il y a des personnes qui veulent travailler en équipe et effectivement il faut aussi nous respecter, donc on fait ce qu'il faut de l'autre côté. Donc dans ce groupe, on a un premier poste où justement je fais une vidéo pour justement dire à toutes les personnes que c'est important de travailler en équipe et justement qui s'impliquent à l'avenir. Est-ce que justement ce poste, est-ce qu'il a signifié quelque chose d'important pour toi quand tu es rentré dans ce groupe? En fait, le poste est super intéressant parce que on y apprend quand même pas mal de choses, et puis en fait, il n'y a pas que ce poste-là, il y en a plein d'autres. Oui, mais alors ce poste en particulier, je voudrais que tu dises, est-ce que justement, toi, ça faisait un moment que tu vois les nouveaux là qui viennent justement d'arriver et de se présenter, par exemple. Est-ce que justement, toi, tu trouves que c'est important que les personnes se présentent et justement montrent pourquoi c'est important pour eux d'interagir avec les autres membres, toi qui es là depuis tout ce temps? En fait, le fait de pouvoir découvrir à travers une vidéo une personne, on peut déjà aussi voir si on peut lui venir en aide déjà aussi à elle. Parce que quand on intègre un groupe, il faut trouver aussi un petit peu sa place, ce qui n'est pas évident.
parce qu'on a chacun nos vies, chacun nos caractères, etc. Et, mais qu'on va tous dans le même sens, en fait. C'est ça qu'il faut retenir dans ce groupe, c'est que comme on va tous dans le même sens, c'est là où on peut chacun à notre tour interagir et apporter le soutien à la personne au moment aussi où elle, éventuellement, si elle se manifeste, et c'est toujours le conseil des anciens qu'on dit aux nouveaux, c'est n'hésitez pas à vous manifester parce que nous, les anciens, ben, on va vous transmettre ce que Vincent nous a transmis aussi. C'est ça qui est intéressant. Et donc, on avance. Alors, j'ai envie de rajouter un truc qui est assez important à mon sens. C'est exactement ça. Les personnes se présentent quand elles arrivent en fait dans la communauté et ça permet en fait de tâter un petit peu le terrain, de savoir un petit peu les personnes justement si elles vont avoir besoin d'aide, si ce sont des personnes qui sont extraverties, introverties, qu'elles vont avoir besoin justement qu'on vienne plutôt vers elles. Je dirais leurs points forts, leurs points faibles aussi. Et surtout d'arriver de suite, de prendre une place parmi la communauté et de ne pas se sentir seul par rapport à cela. Ça, c'est important. Je pourrais rajouter direct de suite, on fait également un test en ce moment, c'est un test, je pense que ça continuera, mais on va voir au fur et à mesure, avec justement les binômes, alors je dirais même les trinômes, ouais. Parce que peut-être que justement on va ajouter les personnes au fur et à mesure en les faisant travailler aussi en équipe pour s'entraider, justement avoir des réponses rapides et efficaces. Toi, tu as justement créé des liens assez forts justement avec ta binôme qui est... Hello, enfin... Elodie. Hello, Elodie. Alors, voilà. Hello gagne Hello. Comme Martine gagne. Alors, ça, c'est assez marrant. Facebook. Voilà. Et donc, effectivement, ça permet aussi de se rapprocher entre les anciens, entre les nouveaux, pour répondre rapidement aussi. Puis après, quand il y a des questions qui vont un peu plus loin, on va directement aller sur le groupe, justement, pour poser des questions. Alors, je vais essayer de faire la structure, parce que c'est vrai que je pense que ça va prendre quand même pas mal de temps et que toi, tu as tes impératifs derrière. Merci. Alors, le deuxième module dont on va parler, c'est le module, en fait, au niveau des primes. Alors, module au niveau des primes, en fait, il y a trois poste. Donc c'est en tout cas le groupe de ce que je suis en train de vous parler, il y a 5 modules, c'est très efficace, très précis pour aller rapidement à l'information, rapidement efficace. Et donc les postes vont condenser, je dirais, les informations, ça c'était très important. C'est une erreur que j'ai fait avec mes anciens élèves parce qu'aujourd'hui j'ai plus de 170 élèves et j'ai repris un petit peu ma méthode de fonctionnement pour que les personnes ne perdent pas de temps, mais qu'ils aillent chercher l'information là où ils le souhaitaient et là où c'était rapide à attraper l'information. Donc en fait, le module, je dirais, des primes, il contient 3 postes. Rapidement, il y a un poste où tous les jours, effectivement, Vanessa, alors tu as repris le flambeau parce qu'il y avait également mon assistante qui s'en occupait, mais tu as repris le flambeau à mettre une prime du lundi au vendredi tous les jours parce qu'en fait, on collecte les primes de l'ensemble de l'équipe pour dire qu'il y a des résultats et tous les jours, effectivement, du lundi au vendredi, ça va faire quasiment un an maintenant que les primes tombent du lundi au vendredi pour montrer à tout le monde que ça fonctionne. On n'est plus en train de discuter que ça fonctionne ou pas, ça fonctionne, il n'y a aucun problème de ce côté-là. Et donc, on a un poste où on met l'URL tous les jours, donc du lundi au vendredi, de la publication qui est mise sur Elite Multi. Il y a un deuxième poste où on met la mise à jour des offres des banques en ligne pour donner toutes les astuces. Tiens, en ce moment, il y a 130-130 sur Boursorama, boum. Par exemple, il y a le compte CSL jeune pour les enfants. Tu mets 10 euros, tu prends 80, tu laisses 10 euros. Et en fait, on se donne toutes les astuces par rapport à tout cela. Et ensuite, il y a un poste sondage parce que globalement, en fait, et c'est justement Vanessa qui s'en occupe, de mettre le sondage tous les jours, que les gens viennent cliquer pour dire c'est bon, il y a 3 postes qu'on va faire. On l'a fait très courte, un poste émotion, un poste résultat. Résultats qu'on vient d'en parler juste avant avec les primes et un poste justement contenu. Alors pour l'instant, c'est les interviews, on verra au fur et à mesure pas mal de choses qui vont arriver, également d'ailleurs des émissions, etc. Et donc du coup, c'est ce qu'on met sur ce poste sondage où on vient cliquer et après un petit commentaire en disant fait, ce qui donne une interaction, je dirais, alors comme dit Antoine BM, l'action minimum viable, donc AMV, et il a raison, c'est justement le petit truc qui donne une habitude que tout fonctionne au fur et à mesure. Donc ça, c'est ce poste-là. Ensuite, enfin ce module, le troisième module dont j'ai envie de parler un petit peu, c'est le module où il y a plus de 850 commentaires. On a dépassé les 900, oui. Donc c'est déjà du module que je suis en train de parler. C'est le module, effectivement, on a intitulé le module multibancarisation, et à l'intérieur il y a deux endroits. Alors on va juste parler d'un déjà avec les 900 commentaires. Celui où on va parler, c'est celui des 900 commentaires. En fait, celui où il y a 900 commentaires, c'est quoi? C'est toutes les questions techniques de procédure d'inscription, de procédure d'inscription, parce que Vanessa a mis un moment avec un autre poste à trouver dessus. Mais procédure d'inscription, c'est comment ça se passe techniquement quand on ouvre le compte à une personne, et là on va poser la question, et après un commentaire emmène des sous
en sous-commentaire des réponses. Il a fallu du temps aussi. Des astuces, des voilà. Et tout le monde participe là-dedans. En fait, c'est ça qui est bien. C'est si on prend mon exemple, dernièrement, j'ai demandé, j'avais un petit problème avec une filleule qui avait une carte d'identité périmée, même avec l'extension des 5 ans, puisqu'en France on peut maintenant étendre la longévité de la carte d'identité à 15 ans au lieu de 10. Et donc, trou de mémoire. Donc, j'ai utilisé ce poste et puis j'ai posé ma question. Et ben, écoutez, franchement, en 5 minutes, j'avais 5 intervenants du groupe qui m'ont tous solutionné la même réponse, en fait, qui m'ont apporté tous la même réponse, et ça va toujours dans le même sens. C'est ça qui est bien. Alors, je voudrais intervenir également sur ce poste-là. En fait, il y a également une bibliothèque qui est ajoutée, je dirais, à ce poste. Une bibliothèque avec plus de 220 vidéos pour répondre à des questions bien précises. Et donc, il y a une réponse bien précise avec chaque vidéo. Donc, il y a une réponse. Il y en a plus de 220. Aujourd'hui, 220, c'est même pas assez. Alors, on vient effectivement encore rajouter. Mais à l'avenir, en fait, je vais également compléter cette bibliothèque au fur et à mesure. Pour l'instant, bon, je fais pas mal de choses avec le Tour de France. Mais au fur et à mesure, je vais venir compléter, en fait, pour donner à chaque fois des réponses précises. Et il y a également mes assistantes qui, dans l'avenir, vont également référer à chaque effectivement vidéo qui va être la base, ce qui ne vous empêchera pas à vous de vous aider, mais il y aura une base où il y aura également donc une bibliothèque. Il y aura déjà 220 vidéos là-dessus et qui va justement aider à avoir une organisation toujours plus rapide et efficace pour l'ensemble des personnes. Donc même si effectivement il y a beaucoup d'élèves qui arrivent et qui vont arriver, et bien globalement tout est organisé pour que tout le monde s'en sorte. Il y a de quoi faire pour réussir. Ça va résumer un peu tout ce que tu viens d'expliquer. Il y a vraiment de quoi faire pour toujours réussir. Après, évidemment, il faut aussi la volonté de vouloir y arriver. Ça, c'est une autre chose. Parce que ça, c'est autre chose. Alors, je voudrais juste te dire, toi qui as vu l'évolution de ces 220 vidéos, tu ne les as pas vues, ce groupe, tu ne les as pas vues au début. Est-ce que ça a changé les choses dans la façon de travailler dans la multi-incarnation pour toi? Pour moi personnellement, oui, parce que en fait, je ne suis pas obligée non plus de toujours aller mettre un post, un commentaire aussi sur ce fameux post qui est intitulé multibancarisation. Si je fais un peu fonctionner aussi un peu ma mémoire, il suffit d'aller récupérer la bibliothèque et puis de taper la question, parce que tu as très très bien fait les choses en tapant 2-3 mots. C'est un peu comme votre recherche Google, tout simplement. On tape les mots qui nous intéressent ou on cherche la réponse, et là vous avez quelque chose qui défile, et puis vous n'avez plus qu'à choisir la vidéo qui vous correspond. Alors même si on se trompe, c'est pas grave, on révise, on regarde la vidéo qui n'était pas normalement prévue pour la réponse, mais quoi qu'il arrive, la réponse on la trouve même tout seul. Et si on n'arrive pas à bien comprendre la réponse, parce que ça peut arriver, là à ce moment-là on revient sur le post multibancarisation, on pose la question et quelqu'un du groupe arrive toujours à faire le SOS de dernière minute, mais on a une réponse quoi qu'il arrive, et très rapide en plus, c'est ça qui est bien. Alors justement, c'était mon objectif, c'était de mettre un objectif, je dirais, de choix, je dirais, de personnes qui peuvent être autonomes et à la fois solidaires. C'est-à-dire qu'une personne peut travailler de manière autonome également avec l'ensemble de tout ce que je transmets justement dans la bibliothèque, mais il y a également, je dirais, ce groupe qui va également aider, je dirais même que le groupe, c'est même après, parce que la deuxième chose qui a été mise en place, et on entend parler tout à l'heure, c'est les binômes, c'est les trinômes, justement, qui vont répondre encore de manière plus rapide et efficace, en plus des liens vont se créer, et après, avec l'équipe au complet, avec justement ce fameux groupe qu'il y a derrière, et avec justement mes assistantes qui peuvent aussi générer, retransmettre également sur la bibliothèque, si effectivement les personnes ne s'y retrouvent pas, alors que, et encore, je vais encore le refaire, ce site internet, pour encore améliorer cette efficacité. Alors maintenant, on va parler également du module. Alors on va aller un peu plus vite, parce que toi tu dois y aller aussi. Le module où en fait tu te trompais avec celui-ci. Oui. Alors comment il s'appelle ce module? C'est le module multibancarisation, et non, que je confonds avec parrainage. Parrainage. Alors maintenant, je vais l'expliquer. Si tu vois des ajouts, n'hésite pas à le dire. En fait, globalement, le parrainage, c'est tout ce que les personnes ne voient pas quand ils arrivent dans multibancarisation et qu'ils pensent que c'est comme ça multibancarisation. Une fois que je connais les procédures, ça y est, ça tombe du ciel. Non, non et non. C'est-à-dire que aujourd'hui, moi, ce que j'apprends, c'est tout ce qu'il y a autour. Parce que la multibancarisation, tout ce qu'on vient de dire là, globalement, si demain effectivement tu faisais les choses, tu penserais beaucoup plus de temps à trouver les réponses, en appelant, en demandant, je dirais, en croisant les réponses. Quand on travaille en équipe, on croise les réponses, on a des questions, je dirais, fiables statistiquement. Il faut savoir qu'un conseiller, je dirais, une fois sur cinq, il raconte des bêtises parce qu'il connaît pas tout par cœur. Hein, on connaît bien la situation. Ça m'est arrivé. Voilà, donc on croise effectivement nos informations pour qu'elles soient fiables, avérées,
je dirais, voilà, par rapport à cela. Et alors, je disais, en fait, le parrainage, c'est ce que beaucoup de personnes n'ont pas encore compris, mais avec le coaching. Alors, je tiens à préciser, tout à l'heure, tu dis coach. Moi, maintenant, on va utiliser le terme formateur, parce que j'étais un coach, effectivement, pour Vanessa. Ah, mais aujourd'hui, je suis devenu un formateur, parce que coach, c'est vraiment un accompagnement suivi. Et là, je peux prendre que très peu de personnes. Donc là, en fait, on va agrandir, effectivement, le groupe, la famille. Et donc, en tant que formateur, il y a tout un système dont on est en train de parler qui va automatiser, structurer, aider toutes les personnes. Je serai toujours là, mais en arrière-plan, je dirais, et je viendrai intervenir de manière chirurgicale, des interventions chirurgicales sur chaque point qui sera vraiment, je dirais, important et intéressant, percutant pour les personnes qui en auront besoin. Mais alors, ce poste parrainage, c'est le poste quand on a fait finalement tous les coachings, c'est-à-dire le côté psychologique. Comment parler à une personne, comment faire si jamais on a peur d'aller voir une personne, comment lui présenter, c'est-à-dire toute la partie psychologie, la partie communication, et qui celle-ci est beaucoup plus importante, beaucoup plus cachée, parce que les personnes ne veulent pas aller là-dedans, et pourtant c'est là où il y a finalement le trésor qui nous permet de réussir par rapport à tout cela. Et donc ce fameux poste, alors il y a moins effectivement de commentaires encore aujourd'hui, mais ça va se développer au fur et à mesure, mais c'est des commentaires qui sont beaucoup plus complets, où on demande effectivement des questions bien précises par rapport à une situation. Donc voilà, en tout cas, c'est un autre poste sur toute la psychologie. Et je tiens à préciser qu'il y a aussi une autre bibliothèque qui va arriver, donc elle n'est pas encore, mais en fait on a récupéré avec mes assistantes des parties des coachings, et on a plus de 100 vidéos. D'accord. Avec des questions et des réponses justement qui ont été enregistrées pendant tous ces coachings, parce qu'il y en a eu un coaching de groupe aussi, un coaching individuel, où justement on a enregistré les questions et les réponses pour venir apporter une deuxième bibliothèque où il y a plus de 100 vidéos qui sont déjà en attente aussi de ce côté-là. Vous voyez, quand je vous dis qu'il s'arrête pas, en fait il s'arrête pas, parce que il y a toujours quelque chose à apporter en plus, il y a toujours un support à vous donner pour justement vous aider à réussir, à atteindre vos objectifs, pour pouvoir après développer vos rêves, vos désirs et vos projets. Et donc c'est le sacré coup de pouce quand même qui fait que on a des résultats. Et sans ça, sans cette formule complète, si je peux appeler ça comme ça, on n'aurait qu'un morceau. Donc ça marcherait qu'un temps, et puis après on s'essouffle, et puis on dit tout compte fait, c'est tout, ça devient trop compliqué, donc du coup j'abandonne. Alors que là, c'est pas le but. Tu fais en sorte de travailler pour que la personne n'ait pas cette confrontation avec cet abandon, parce que on sait que ça fonctionne, et que ça met du baume au cœur à tout le monde, ça met des paillettes dans la vie, ça remplit le porte-monnaie, ça évite de dire non à ses enfants, ça c'est des choses au quotidien, en fait. Alors moi, j'aimerais justement dire tout simplement, en fait, ce groupe, je vais dire très rapidement les derniers modules. Donc il y a un module Good Vibes où on partage les bonnes énergies, qui est super sympa aussi, où tous les élèves vont dire tout ce qui se passe aussi, ça c'est top. Et il y a le module également, d'ailleurs il faudra mettre dans le module Good Vibes tout ce qu'on a fait, alors tous les lives qui est ici, là je vais te laisser faire justement, reprendre le dessus, parce que d'ailleurs Vanessa est une membre d'or, elle fait partie, alors aujourd'hui il y a 4 membres d'or, puisque la quatrième qui vient de nous rejoindre, qui est Aurélia aussi, et que chacun vient apporter, je dirais, son coup de pouce, sa petite touche à l'édifice. Et donc aujourd'hui, effectivement, les membres d'or vont guider justement. Alors moi, j'ai envie de dire que, alors il y a celui-ci, il y a aussi la caverne d'Ali Baba, où ils vont se partager des astuces qu'ils ont trouvées également entre eux. Alors ça, c'est top et c'est super aussi. Et toujours en vidéo, parce que c'est vachement mieux de vous transmettre une information en vidéo, en vous faisant voir comment faire la manipulation. C'est beaucoup plus difficile pour certaines personnes, parce que moi, je prends j'ai eu cette idée-là aussi, je vais le mettre en avant, tiens, pour une fois, c'est très rare, je pense que tu peux le dire, mais j'ai fait cette caverne d'Ali Baba parce que moi-même, j'étais pas une pro de l'informatique. Et donc, quand j'ai côtoyé Vincent pour la première fois, alors là, j'étais vraiment une quiche totale en informatique. Aujourd'hui, j'ai acquéri des compétences, une certaine expérience, et donc du coup, j'ai dit, c'est vachement plus intéressant, parce que moi, je l'ai mieux compris en vidéo, donc on fait des petites vidéos qui durent une minute, je vous assure que c'est vachement efficace, et donc on vous fait voir tout de suite, et vous pouvez faire la manipulation, vous n'avez pas compris, hop, vous retournez un peu en arrière et vous appliquez. Vous pouvez mettre en application immédiatement. C'est vachement mieux que de l'expliquer pour ceux qui démarreraient avec aucune compétence dans l'informatique.
Alors, je tiens à préciser, en fait, dans la caverne d'Ali Baba, Vanessa a mis en place ce qu'on appelle la boîte à outils, oui. Où effectivement, elle a ses fameuses vidéos d'une minute faites avec TikTok et grâce à sa fille aussi, qui est l'architecte, je dirais, de montage, etc. Et c'est vraiment top. Et ils expliquent effectivement comment mettre en place, je dirais vraiment de manière efficace et rapide, des petits outils à utiliser qui vont avoir un impact très grand de l'autre côté. Je vais terminer sur effectivement ce groupe où on a dit déjà pas mal de choses dessus. Mm-hmm. En fait, moi, je dirais que finalement, ce que je fais quand je rajoute toutes ces choses-là pour justement que ce soit toujours plus complet. Moi, j'imagine comme si on était finalement à Euro Disney. Et en fait, je rajoute toujours un parc d'attractions supplémentaire qui va avoir une émotion particulière par rapport à une personne, son utilité, son efficacité pour s'éclater. Et en plus, ce qui est top, c'est que dans ce parc d'attractions qui est toujours plus grand, il y a également des guides qui vont venir également guider les personnes par rapport à là où elles vont aller. Il va avoir des choses qui vont être enregistrées aussi, interactives avec des vidéos, mais il va avoir également des guides qui vont justement guider toutes les personnes. D'ailleurs, on n'a pas parlé également de la conversation de groupe qui se passe très bien. Donc, exceptionnellement d'ailleurs, ce week-end, on s'est lâché parce que normalement il n'y a que moi effectivement qui vais transmettre des informations pour justement éviter que les personnes, quand elles arrivent, une conversation c'est trop rapide, il y a trop de choses, donc du coup je transmets que les informations qui sont je dirais officielles et qui font avancer, je dirais, l'équipe au complet. Comme ça tu as de quoi toi rapidement savoir te mettre à jour, juste avec à chaque fois des textes que je fais en fonction, je dirais, de la situation actuelle, de l'évolution. Là ce week-end on a exceptionnellement effectivement ouvert pour que les personnes puissent parler et effectivement c'est ça l'idée aussi, c'est d'avoir une information rapide, efficace par rapport à un canal direct. Donc on a un canal plus grand avec le groupe, on a un canal direct également avec les conversations de groupe, et on a également, je dirais, les binômes et les trinômes pour vous aussi de votre côté. Donc c'est vraiment très complet, donc c'est vraiment Euro Disney, tu t'éclates dans tous les sens et surtout avec les bonnes personnes et tu as des guides pour aller beaucoup plus vite, je dirais, à ce que tu souhaites. Je pense qu'on en a dit déjà pas mal, on arrive à la fin de cette interview parce que ça fait déjà un petit moment et on va venir nous chercher effectivement après. Donc on va terminer cette interview, je voudrais que tu disent à toutes les personnes aujourd'hui pourquoi tu leur dirais que c'est important de travailler en équipe pour toi. Qu'est-ce que tu as découvert à travers, je dirais, ce travail d'équipe depuis tout ce temps? Alors en travail d'équipe, en fait, on a un soutien, on a la positivité, parce que ça nous arrive aussi à chacun de nous, selon notre vie, etc., d'avoir des petits coups de mou. Donc quand c'est comme ça, le copain, la copine du groupe, etc., est souvent au courant parce que on en a parlé. Donc reste sur le groupe parce qu'elle s'évade facilement. Donc du coup, le groupe vous rebooste et donc ça fait du bien. Donc beaucoup de positivité, beaucoup d'informations que l'on peut transmettre et échanger, beaucoup d'astuces, la totale, quoi. Je veux dire, il y a vraiment une palette de choses à récupérer, à obtenir, à avoir, à transmettre. Donc en fait, c'est toujours des échanges, ce groupe. Alors, je voudrais faire une comparaison que j'ai fait il y a pas longtemps, parce que quand je voyage, je rencontre beaucoup de personnes et on discute de tout. Alors du coup, j'ai des idées qui me viennent. Et moi, je dirais que la formation, globalement, c'est une Ferrari pour justement t'apprendre à aller vite, de manière rapide et efficace, parce qu'en fait, c'est un condensé de 5 ans et demi d'expérience où je vais te dire là où ça passe. C'est comme une bataille navale, là où ça pète, là où ça passe, quels sont les raccourcis. Donc du coup, t'as une Ferrari et imagine qu'en fait, de la Ferrari, tu as un plein. Dans la Ferrari. C'est-à-dire que tu prends la formation, tu as un plein. Tu vas aller vite, tu vas aller, je dirais, beaucoup plus loin que les personnes qui vont prendre une deux-deux et qui n'ont qu'un plein. Et puis surtout, voilà, tu vas aller plus loin. Bon, quoique, c'est pas la meilleure des choses. Mais globalement, tu vas quand même plus loin, ça c'est sûr et certain. Mais globalement, c'est une clé en or. C'est une clé en or. Mais maintenant, pour l'ouvrir, tu vas l'entrouvrir, on va dire, avec la formation. Mais si tu veux l'ouvrir complètement et aller, je dirais, avec la Ferrari, mais maintenant avoir de l'énergie dans cette Ferrari et aller toutes les roues de mettre à Rome, alors si tu veux jusqu'à Rome, eh bien globalement, l'idée c'est qu'il va falloir que tu remettes du plein dans cette voiture. Il va falloir que tu remettes de l'énergie, il va falloir que tu remettes de l'émotion, il va falloir que tu t'éclates dans cette aventure. Eh bien, l'aventure, en fait, elle se fait en groupe. Voilà. Donc l'équipe, c'est le plus important parce que seul, on va plus vite, ensemble, on va plus loin. Allez, je termine cette interview justement quand même pour les personnes qui me connaissent pas également. Donc moi je m'appelle Vincent Tamy, j'ai 35 ans, je suis originaire de Bordeaux, j'habite à Cracovie, en Pologne depuis plus de 5 ans et demi maintenant. Aujourd'hui effectivement, j'ai généré plus de 83 000 euros de primes de parrainage dans les banques en ligne. Non, j'ai pas compté les dernières, ça fait un petit moment. Et donc effectivement, j'ai également fait générer plus d'un million d'euros de primes de parrainage depuis que j'ai démarré, depuis que j'ai pris la décision, je dirais, d'aider les personnes avec les banques en ligne. J'ai également eu un groupe d'ailleurs de plus de 15 000 membres sur
Facebook, il fut un temps également. Là aujourd'hui, d'ailleurs, je suis à ma troisième chaîne YouTube, qui est la chaîne YouTube Multibancarisation. Il y a également la page Elite Multibancarisation, qui a plus de 5000 likes à l'heure actuelle. Aujourd'hui, j'ai aidé plus de 170 personnes à aider justement à générer les 500 euros par mois avec la multibancarisation. Donc, j'ai fait pas mal de choses. J'ai fait 20 représentations publiques un petit peu partout en France. C'est le premier événement qu'on fait également, je dirais, vraiment en équipe comme ça, où justement on apprend à se connaître. Ça, c'est vraiment extra aussi. Et donc voilà, j'ai fait pas mal de choses pour développer le secteur de la multibancarisation. Demain, je vais également faire des émissions d'ailleurs avec également des personnes qui sont pas forcément de la multibancarisation, mais pour justement découvrir et ouvrir le secteur de la multibancarisation. Donc je vois loin et effectivement ensemble, c'est le plus important. Chacun garde sa place. Aujourd'hui, effectivement, je propose deux choses. Avant que je propose, je vous propose, je te propose que si tu veux ouvrir les comptes, tu connais Vanessa ou que tu connais pas Vanessa, mais que ça t'a donné envie d'ouvrir les comptes et effectivement de te réveiller, bouge-toi les fesses, je te mettrai le contact de Vanessa en dessous de la vidéo et tu la contactes pour ouvrir les comptes. Ça, c'est direct. Moi, je n'ouvre plus de compte, j'en ai fait plus de 700. Ça va, j'en ai fait assez. Maintenant, c'est Vanessa effectivement qui va s'occuper de toi. Si tu veux ouvrir les comptes, tu as le contact juste en dessous. Moi, ce que je vais m'occuper, c'est t'aider à apprendre à mais parrainer, c'est-à-dire recommander dans les banques en ligne, c'est-à-dire comment gagner de l'argent avec la multibancarisation, avec Boursorama, le Banque Fortuné, ING, Orange Bank, et non, tu ne seras pas la dernière toujours parce qu'on n'est pas à la fin du Tour de France, donc c'est la surprise toujours. Et donc du coup, je vais t'aider avec le premier e-book, le premier produit qui est à 77 euros, qui est un e-book, donc qui va t'aider à ne pas courir après les personnes, mais à les faire venir à toi, hein, le domaine psychologique, très 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 important, je peux vous dire que... Vanessa, elle le sait. Elle a bien travaillé, ouais. Elle a bien travaillé. Par rapport à ça, elle a de quoi faire encore et il y a encore plein de choses à découvrir. Il y a toujours de quoi faire sur la raison psychologique. Les gens évoluent dans ce monde. Donc, voilà, il faut travailler tout le temps. Tout le temps. Et puis c'est surtout qu'on apprend tout le temps des relations humaines, ça c'est top. Ouais. Je termine pour dire aussi qu'il y a ma formation à 487 euros ou 99 euros par mois sur 6 mois qui permet justement de faire passer aussi au fur et à mesure, hein, parce que Vanessa m'a connu pendant les coachings où c'était aussi beaucoup plus cher à l'époque. Oui. Donc maintenant il y a vraiment une structure qui permet aussi d'ouvrir à toutes les personnes pour qu'elles démarrent doucement et sûrement. Mmh. Donc voilà. Et également donc cette formation va beaucoup plus loin parce que ça n'apprend pas que à faire une multibancarisation, mais t'apprends à travailler sur internet, vraiment la psychologie. On parle également de la méthode DCAPS, le DCAPS, c'est la DCAPS 2.0 puisque c'est la première formation que j'ai fait il y a 2 ans et demi avec mes premiers élèves, où justement là j'ai repris la déontologie et confiance, l'aimant, le présentation, le suivi, et là c'est 2.0 pour vraiment avoir je dirais une structure globale. C'est ce que j'appelle la ligne d'or du parrainage parfait, et justement là vraiment quelque chose de très très costaud, très complet pour pérenniser l'activité. Je pense que j'en ai dit déjà pas mal. Si tu as aimé cette vidéo, tu peux t'abonner à la chaîne YouTube, tu peux également liker, effectivement si tu as aimé tu peux également commenter pour nous dire ce que tu as apprécié dans cette interview, dans cette vidéo. Et donc maintenant, le mot de la fin, c'est pour toi, Vanessa. Eh bien, n'hésitez pas, vous mettez un commentaire là juste en dessous. Juste au moins pour répondre à votre question qui est la curiosité. Les trois quarts du temps, c'est parce que vous êtes curieux. Alors les curieux, on les aime et en même temps, on les aime pas. Mais on va répondre à votre question parce que c'est important d'apporter une réponse à une question. Donc je vous conseille, c'est de liker, de partager aussi sur votre mur. Vous pouvez tout à fait le faire. Et surtout de mettre votre commentaire. Quelqu'un de l'équipe, si ce n'est pas moi, parce que j'ai une vie aussi, si ce n'est pas moi, quelqu'un de l'équipe vous contactera et répondra à votre question. Moi, je dirais même que les curieux, en fait, on les aime surtout quand ils posent des questions, mais qu'ils veulent des réponses, et surtout pour agir. Ouais. Parce que nous, on a été des curieux avant, et surtout, on est passé à l'action. Donc, si tu es un curieux qui veut passer à l'action, bouge tes fesses, on sera là. Merci. Et puis, le sourire qu'on a sur notre visage, c'est juste parce qu'on a eu une réponse à notre curiosité et qu'on a agi. Donc, faites comme nous. Au revoir, les amis. Hey, n'oublie pas de t'abonner à ma newsletter dans la description de cette vidéo. Tu y retrouveras des témoignages, des interviews, des news de mon Tour de France 2020 qui est mon troisième Tour de France, des tips et astuces du moment sur les banques en ligne pour les débloquer, les actualités des banques et même des offres promotionnelles sur mon ebook et ma formation, et cela exclusivement sur ma newsletter. Ne perds plus une seconde.